Salut à tous les amis, c'est la Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va super, ça va extrêmement bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. Let's go les amis, j'espère que votre journée de course est bien passée, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, etc, etc. J'espère que vous allez bien au final, et donc, c'est parti pour un nouvel épisode. Donc, on va voir ce qui va se passer, s'il se passe quelque chose évidemment. Alors, il n'est pas des nouvelles choses, donc... Pourquoi je parlais comme ça? Je ne sais pas. Ok. Alors. On va prendre son temps. On va prendre son temps. Ok. Hasta la vista, baby. On va regarder l'ordre des liens. On va regarder l'ordre des liens. Lalalala. Alors. Que me racontes-tu, petit? Oh my god. Comment c'est long. Holy shit. On va aller voir les trois là-haut là. Allez. 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 Putain, c'est long. Voilà. Alors. Ouais. Ouais, mon pote, on arrive. Terre de brume. Ouais. Terre de brume. Et. Quoi? Ah non, c'est là. Ok. Et terre des plantes, ok. On va aller à la terre de brume. On va aller à la terre de brume. La 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 la. Let's go baby. Ah ah. Ça discute fort sur la place du marché. Peut-être c'est un indice pour que j'aille parler aux gens. Ah bon, ok. Ok. Ah d'accord, ok, ouais d'accord, ok, j'ai compris. On va y aller. On va y aller. Montez à bord. Alors. Noé la brume, let's go. Oui. Attention départ. What the fuck? Un nouveau continent? Alors, voyons voir. La hype, gros, la hype. Ouais. Ok. Ok, mon pote. Ok. Waouh. Oui, bon, on va t'aider, mon pote, hein, bien sûr. Ok. Alors, donne la lettre écrite par Mouna. Je savais même pas. Mais what the fuck, je savais même pas qu'il fallait faire ça. Je ne savais même pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Comment voulais-tu que je sache? Oh! Ok. D'accord. Ah, il y a une récompense. Alors, voyons voir cette belle ville. Là, il y a un petit truc. Ça raconte quoi? Ok. Ok. Ça marche. On va parler un petit peu à tout le monde. Ça fait du bien, ça fait des petites missions. Oh, Pangoléon! Oh, il y a des escaliers ici. Va chercher mon trésor. Mimigal. Non, faut que j'accepte la mission. Ok. La la la. La la la. La la la. De quoi suis-je fait? What the fuck? Ah, j'adore ça. La ville est belle, j'aime bien. Ok, on est connecté à Kaorin. Red, non, connected. Red job, bon, voilà, la petite erreur de Tug. Tu connais les bails. Alors, ah, Colomar est donc à... Je sais pas quoi.
J'ai pas trop vu. Colomar. Ok, ça me va. Ça me va. Ça me va, mon gars. Oh là là, stop, stop, on arrête de se répondre, les potes. Ok, alors. On peut remonter par là, ok. Donc on vient de par là. Là-bas, il y a quoi? Ok, qu'est-ce qu'il raconte? Ok. Super intéressant. Le... Non! On s'en fiche! Voilà, tu racontes quoi, toi? Qu'est-ce que t'as à vendre? Du caca? Mon Dieu. Ouais. Francis! Bah oui. Ok. Ok. Quoi, Farrell? Comment ça frange, mon Dieu? Rhino féroce! Oui. Oh là là, ça va être lourd. Ça va être lourd le combat contre Rhino féroce. Ok. Gigantesque, alors c'est par là qu'on se barre pour faire une mission. Et donc, ok, on est ici. Donc on a fait tout le tour. On va aller ici pour chercher nos récompenses. Ah, il y a peut-être des gens qui veulent des trucs aussi. Bon, désolé les amis, j'espère que ça vous plaît que je fasse ça. Dites-moi en commentaire si vous dérange pas que je fasse ça. Ok. Allez. Ok. Personne, personne. Ok. Alors. Tiens, gamin, il y a quelque chose pour toi. Ah, c'est des récompenses. Je sais même pas ce que j'ai eu, j'aurais dû les voir. Oh my god, le boulet, c'est pas grave, on a déjà 6 minutes, 7 minutes, ça passe trop vite. Oh my god, alors. On va voir ce qu'il y a de toute façon. Déflagration, repos, attraction, dégommage. Ok. Ok. Ok, bon. Ouais. On va déposer, on va déposer un petit truc. L'élixir. Voilà. Hop. Ça. 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 On se met bien. Ça. Ça. Ouais, ça, on s'en fiche. Ok, retirer la petite mini résugraine. Voilà, j'en ai combien sur moi du coup? Ok, alors j'ai quoi sur moi? Objet. Alors, j'en ai. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, c'est bon. C'est bon, je me suis arrêté de compter, c'est-à-dire que c'est bon. Ok, ah, il y a un petit truc ici. Non! Mais pas toi, César! Voilà. Une pop. Bon. Petite pop. Bon. Allez, let's go! Val de soleil de minuit! Forêt des fées! Maintenant, vous rendez-vous! Allez! C'est bon! On va aller ici. Dip. Méga difficile! Wouhouhou! On prend des risques! Ah d'accord. Alors. Ah ouais. Méga difficile. Oh non, il nous faut des bons Pokémon, j'en ai plus. Oh mais là c'est la fin là. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Oh non. Octillerie. Ouais, vas-y. Allez. Allez, Octillery, vas-y, de toute façon. Tortank, ouais, 36. Moi, je regarde les niveaux, tu vois. Oh my god. Dragmara. Il y a Dragmara, niveau 39. Sinon, on a quoi? C'est tout, hein. 52? On l'a plus, bah oui. À la quatrième, on l'a jamais. Oh! Ouais! Alors, on va voir s'il y a mieux que ça. Dratak! Oh, Dratak, t'es chiant. Dracolos! Oh, t'es chiant. Ok. Allez, va pour ça. Go. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. Alors.
L'entente vous accompagne. Ok, déjà il y a déjà un ennemi là-bas. Oh. Oh my god. Oh my god. T'es pas sérieux. Boom. Bitches. Bah il y a directement les escaliers. Oh. What the fuck. Oh mais non, mais c'est un carnage. Non mais ça c'est à cause de Tyrannosif ça. T'as l'entente, t'es inutile. Oh putain. Non mais tuez-le là, Tyrannosif, attaque. Oh la vache. Ah ouais, ça va être difficile mon pote. Ça va être très difficile. Putain mais c'est Tyrannosif là, my god. T'es bête là. Pas mal les petits, les petites, les petites. Mais arrête de perdre la vie, mongol. Bim bitches. Hop, oh, magnifique. Il nous faudrait des petites éphélites là. Donc là je fais le tour de la map, mais oh ça me paraît gigantesque. Oh my god, c'est gigantesque. Putain mais Tyrannosif avec sa tempête de sable, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Éphélite, s'il te plaît. Ouais, bon, ça va. On va mettre directement leur bloc à vité. Hop. Ok. Sympa. Sympa, vraiment. Sympa, les petits donjons, là. Mais par contre, je voudrais bien avoir les escaliers, s'il te plaît. Oh, my God. Mais ils font quoi, eux, tous les deux, là? Oh, on vous a vu, les gars. Ça, c'est fait. Oh, bâtard. J'étais là, je suis bête, putain, je suis bête. Et donc, continuons, on va sortir cette petite truc. Alors, c'était la esquive de chaos, oui, sur moi, voilà, très bien. Ok, donc, ce n'est point par là. Il faut vraiment des meilleurs éphélites. Ah, bien ça. Alors attends, on va aller à gauche. Oh my god, c'est pas là. Oh là là. Bah, faut que j'ai... Mais c'est gigantesque, hein. Vraiment, la map est gigantesque, mes amis, hein. C'est vraiment tendu. Dis-moi que c'est là-bas, s'il te plaît. Parce que ça augmente vraiment les coups critiques, cet anneau, hein. Je fais que ça. Mais c'est vrai que Tyrannosif, il est useless ce Pokémon. Hein. Il est fatigué ce Pokémon. Hein. Vraiment, il est nul. Hein. Putain, déçu. Oh oui. Allez, go. Oh non, c'est un piège. Aïe, 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 aïe. C'est le Pokémon recherché, Barloche. Une blague ou quoi, Barloche? Ok. C'est quoi ce délire? Putain. C'est fini. Tyrannosif attaque, bordel! Putain, mais il est bête ce Pokémon!
Attends, je suis en face de qui là? Ok. Je déteste Tyranosif. Putain, mais il est bête ce Pokémon. Putain. Oh my god, c'est quoi ça? Allez, allez, allez! Oh putain! Je te déteste, Tyranosif! Je te déteste, Tyranosif! Je te déteste, Tyranosif! Mais putain, mais j'avais vu un Pokémon aussi inutile! Il est inutile ce Pokémon! Non mais attends, non mais attends. Oh, on a perdu au moins 5 résigraines là, j'en ai plus. Je dois plus en avoir beaucoup. On a charpé deux maintenant, heureusement. J'espère qu'il est bon. Là je suis assez surpris sans vous mentir. Hein. Ok, je suis pas très bien vu mais c'est pas grave. Mon Z150 points, bah j'espère bien que oui. Non, sors pas. On va se taper ce. Putain mais qu'est-ce qu'il a lui? Voilà, c'est bon. Putain, vie de ma mère, tirano si tu m'énerves. Vie de ma mère, tirano si tu m'énerves, gros. Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. Ouais, c'est bon, mais attends, tu saoules plus. Non, mais pourquoi c'est pas moi qui le contrôle? Ah oh, putain, je sais pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. On va remettre à sa place. Mais gros, il est vraiment. Ce Pokémon inutile. C'est bête. Putain, mais attends, mais... Il était bloqué sur Tempête de Sable? Mais il est bête! Mais attendez, par contre, il nous manque notre Pokémon, là. Hello, Gugus. Putain, un cas, pourquoi c'était la portée ce con? Par contre, il y a un aussi qui t'attaque, d'accord? Putain, mais Tyranosif, je suis pas fait sans déconner. Je fais coup et des coups critiques, c'est ça qui est bon. Putain, mais il s'était déporté tout en bas! Oh putain, l'enfoiré! Oh non! Putain, le Barloche, il m'a fait tellement mal là! Putain, mais Tyranosif! Mais vraiment, ce Pokémon, mais. Non, c'est de la merde. Ouais. Oui. Bon bah attends c'est bon. Hop sous là. Hop. Ok c'est bon. On perd plus notre temps là. Parce que sinon si on plus du temps ici, plus on risque de mourir et de perdre. J'ai pas envie de tout perdre. J'ai presque plus de résugraine sur moi. Putain mais. Mais Tyranosif. Mais t'es bête. Il est bête ce Tyranosif mon gars. Éphélite, Éphélite. Ok. Ok. Putain, t'es Pokémon comme Tyranosif, t'en fais pas deux, mais je te promets, gros.
Comment on peut faire pour attaquer Attends, mais moi je veux. Ça, tu désactiver ça. Je sais pas en fait, je comprends pas. Sert à quoi? Pas utiliser une attaque. Une capacité. Ok. Activer. Mais attends, tu utilises ces autres attaques, mon gars. Tu fais pas chier. Non, mais sans déconner, quoi. Je le déteste. Vraiment, j'ai de la haine contre ce tyran aussi, fin. Bon, fais péter la branche guide. Parce que j'en peux plus. Oh là là. Ok. Allez. Lanterne, il est efficace. Non! Putain, il y avait une bonne éphélite. Je le sentais en plus. Dommage. Allez, go! Go, go, go! Let's go, let's go, let's go! On lâche rien! On lâche rien, mes amis, on ne lâche rien! Alors. Putain. Oui, ça, c'est bien. Échanger. À la place d'une graine vide. Effectivement. Voilà les gars. Bon, attends, je vais avancer un petit peu parce que là je peux que avancer. Mais s'il y a plusieurs chemins, je prends une truc téléporte. Allez. Sertir, ouais, ici. Ok. Oh oui, c'est bon, je l'ai eu. Il y a quelqu'un par là, continue, oui. On a économisé une petite branche. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, on a 26 minutes d'épisode déjà. Ça passe vite. Ça passe vite, mes amis. Alors, il y a une petite éphélite là-bas. Ouais. Ok. Tiens, Tyrannosif, je te déteste. Oh yes, il était là. C'est bien ça. Ok. J'aime bien qu'il y ait du challenge comme ça, mais des fois, ça m'énerve qu'on ait un Pokémon inutile avec nous. Franchement, Tyrannosif, je comprends pas du tout sa technique. Hein. Il y a des croquis, machin, il y a des bonnes attaques. C'est quoi, tempête de sable, gros? Tempête de sable, tempête de sable, tempête de sable. Il est bête ou quoi? Gros, il vient de m'avoir qu'il est bête ce Pokémon. Je comprends pas le délire. Pff. Oh my god, on est connecté vraiment à beaucoup de personnes là. Ah ouais, là effectivement c'est chaud là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là, tous les Pokémon, oh c'est bon là. C'est bon les gars. On a capturé l'océan là. Bon. Oh là, oh là, oh là, regarde, calme le jeu, calme le jeu, calme le jeu. Ok. 180 points. Oh my god. C'est magnifique ça. Alors, on va essayer un truc au hasard, si on trouve pas, branche guide. Ok. Ok. On va monter, allez. Branche guide, c'est bon, ça me saoule. Hop. Oh là là. Arrête. Arrête. Putain, je suis dégoûté, on est parti de là-bas, quoi. Non, c'est de la merde, ça. Oh, je suis dégoûté. Putain, on est parti de là-bas. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté, gros. Oh là là. Oh my god, c'est pas possible. C'est la plus grande blague. La plus grande fucking blague. Non mais t'es sérieux. Oh t'es pas sérieux, t'es pas sérieux. S'il te plaît, me dis pas que c'était comme ça. Oh putain. Oh putain. La vie de ma mère, Tyrannosif attaque, bordel!
Putain, mais Tyrannosif là! Sérieux! S'il te plaît, attaque! Mais attaque, gros! Ok, à l'attaque là, c'est bon, gros. Tu me fais péter un câble, mon gars. Là j'en ai plus, je crois que j'en ai plus. Putain! Oh my god. Non mais attends, arrête. Mais merde, gros. Là tu me dis que j'ai plus de résugraine là. Putain. Je déteste. Mais je te déteste. Je te déteste, Tyrannosif. Gros, mais je te déteste. Sérieux, je te déteste. Putain, je déteste, les gars. Je déteste, je te déteste. Et tu sais quoi, je récupère même pas ma vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est handicapé que ça tempête de sable là. Putain, mais c'est que maintenant qu'il attaque. Putain, mais c'est le pire ce Pokémon, mon gars. Mais c'est le pire. Mais t'es le pire. Mais t'es le pire Pokémon qui existe. T'es le pire, mon gars. Le pire. Putain, je suis dégoûté. Dégoûté. Putain. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, gros. Dégoûté. Putain. Désolé, mais là, je suis dégoûté, là. Je suis dégoûté. Vie de ma mère, je suis dégoûté. Vie de ma mère, je suis dégoûté, gros. Dégoûté. Putain, mais Tyrannosif attaque! Il me rend fou! Tu me rends fou, gros! Voilà, mon gars! Voilà! Attaque, Tyrannosif! J'ai pété un câble, gros. C'était vraiment juste, hein. Vraiment, vraiment juste là. Connecté à Metalos, voilà, ça valait le coup au moins. Ouais, bah 200 points. Non. Quitte pas le donjon, je m'en bats les steaks. Je suis énervé là. Putain. Foiré là. Foiré. Oui, on quitte le donjon. Oui, il reste aucune quête. C'est vraiment un foiré. Je te déteste, Tyrannosif. Je le déteste, les gars. Si je me viens un Pokémon si pète. Putain. Oh putain. Je me refous ce Pokémon. Je me refous, gros. C'était vraiment entendu, mais ça valait le coup parce qu'on a vraiment bien augmenté notre grade. Hein. Putain. Tant heureusement que Totti s'est ramené parce qu'on aurait perdu. Putain, j'avais pile le bon nombre de G. Hein? Quelle super matinée!
Que j'aime lorsque la brise ventile, agréable, le vent, hein. Bonjour Cornèbre. Bien bonjour écrémeux, comment vous portez avec cette glorieuse matinée? Comment portez-vous avec cette glorieuse matinée? Je vous souhaite le plus grand succès dans vos affaires. Merci, je suis sûr que ça sera une superbe journée pour tous les habitants de l'Olivoville. Je passerai chez vous pour vos livraisons plus tard. Tous mes plus honnêtes remerciements. Sincères, pardon. Tout à l'heure. Bon, il est maintenant l'heure d'effectuer notre gymnastique matinale sur la place. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tiens, écrémeux, fais déjà une pause. Que font tous ces gens? Les manifestations, c'est la révolution? Oh mais... Mais qu'est-ce que donc que cela? Lisez donc. Un avertissement. Mais ne serait pas ce dont tout le monde parle ces derniers temps? Un nouvel avertissement. Oh my god. Un avertissement? Et quelqu'un l'a distribué partout sur la place du village? Oui. Deden a récupéré une copie en venant. Oui, patron. Lis l'avertissement en haute voix. Avis de pétrification. Putain, c'est horrible. Par la présente, nous déclarons officiellement l'identité de notre prochaine victime, le légendaire Antei du volcan. Antei sera transformé en pierre très prochainement. Voilà. Vous voilà prévenu. Hein? C'est vraiment louche de recevoir un truc. Antei, on parle bien du même Antei là? Comment compte-t-il faire ça? Cet événement historique prendra place au col de la grande bataille en terre de l'eau. Les plus curieux sont libres de venir y assister, à leur risque et péril. C'est n'importe quoi. Cordialement. N'importe quoi. Ils ont laissé cette lettre d'avertissement sur la plage du village. Je doute qu'Antei court un réel danger, mais quand même. J'irai bien regarder ça avec un peu de popcorn. Moi. T'écoutes un peu ce qu'on dit parfois? Si tu y vas, toi et ton popcorn allez être transformés en pierre. Il est aussi possible que ce soit qu'une simple farce. Et puis si jamais Antei décide de ne pas y aller, il n'y a pas à s'inquiéter. Antei sera au rendez-vous, j'en suis certain. Il désire plus que tout savoir qui est derrière. C'est rien à dire. C'est pétrification en série. C'est très probablement la raison pour laquelle il s'est rendu en Terre du Vent. À moins d'être convaincu qu'il s'agit bien d'une farce, il répondra à cet appel. Deden, j'ai une question. Ces avertissements, ils n'ont été distribués qu'à l'Olivoville? C'est possible. J'ai essayé d'intercepter les ondes venues d'autres villes, mais je n'ai capté aucun message à ce sujet. Quoi qu'il en soit, nous devons en avoir le carnet. Nous allons nous rendre au col de la grande bataille afin de démasquer le coupable. Misibule avec moi, Arcaptis, Apéro et Busto Boessu et nous aussi. Hein, et nous alors? Vous restez ici, c'est une mission bien trop dangereuse pour vous. Encore? Bah arrête gros. Mais on peut se battre nous aussi. Pas vrai David? Allons bon, je savais que vous alliez dire ça. Il est vrai que vous êtes tenu tête en tête, mais uniquement grâce à un pouvoir mystérieux dont on ignore l'origine. Rien ne vous garantit que vous serez la même d'évoluer de... Que vous serez à même d'évoluer de nouveau la prochaine fois. De plus, le coupable n'aura aucun scrupule à vous pétrifier. Sans oublier la rage d'Antei. C'est bien trop dangereux. Oh, désolé. Je ne disais pas ça pour te contredire. Je suis conscient du danger. Mais si je reste ici à ne rien faire, je me le pardonnerai jamais. Antei est redoutable, c'est vrai. Mais je pense qu'il a un bon fond. Et puis, c'est pas la première fois. Il a vu qu'il restait de la Latios et Latias. C'était... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais après avoir vu ça, j'ai su... Il faut tout faire pour arrêter le coupable. Si on ne l'arrête pas, il continuera à s'en prendre à plein de Pokémon innocents. Il faut absolument faire quelque chose. Je ne peux pas rester ici les bras croisés. Je comprends parfaitement ses sentiments. Moi aussi, j'ai vu Latios et Latias, et je pense comme vous. Patron, je soutiens leur demande. Laissez-les se rejoindre à l'expédition. C'est une mission très dangereuse, mais je serai là pour les protéger. Arcapti, je vois que l'on me laisse guère le choix. Ouais! Tisa, David, vous n'êtes donc qu'avec nous. Toutefois, ça ne sera pas Arcapti qui vous accompagnera. Midibule, j'aimerais que tu t'en charges. Sapuro, tu l'assisteras. Est-ce que cela te convient, Arcapti? Pas de problème. Midibule est bien plus forte et expérimentée que moi. Et Sapuro connaît le code de la grande bataille comme sa poche. C'est le choix la plus logique. C'est décidé. Alors, nous allons donc nous diviser en deux équipes. La première sera constituée de Monsieur Bouillard, Capti et moi-même. La seconde comprendra Sapero, Midibule, David et Sisa. Chaque équipe empruntera un chemin différent pour atteindre le sommet du col. Je compte sur vous pour suivre les directives de Midibule, David et Sisa. C'est compris? Oui. Merci, Faramp. Chirachi, Deden et Sucroquin garderont le QG à notre absence. Je compte sur vous.
Pas de soucis. Compris. Aucun problème, je profiterai pour préparer les miens. Bon courage. Parfait, dans ce cas, en route pour le col de la grande bataille. Ok. 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 On les rejoint à l'entrée de l'île quand on sera prêt. Donc, mes amis, on va se préparer. Donc, Max Résugren. Oui, ouais, on va aller voir le Piliate là, ses amis. C'est ce que j'allais dire. Puisqu'à mon avis, tous les points qu'on a gagnés, ça va être lourd. Alors, est-ce qu'on a monté un grade? Et ouais. Ça fait plaisir, tu vois. Tu es maintenant grade argent. 15 lingots. Anneau bonheur, fer et brut à médaille. Ah. Régigigas et ses alliés sont apparus près d'un lieu appelé Temple Triangulaire. Un créfolet est apparu près d'un lieu qui s'appelle Lac du Cœur. Et ce n'est pas tout. Ah, des musiques. Oh. On peut tomber sur Régigigas. On peut tomber sur... Et déconnecté, Dardagnon, Apirène, Apitrini, Excellang. Mais comment on fait pour aller sur les légendaires? Ah ouais, mais là, ouais, d'accord, c'est chaud. Ah ouais. Ok, génial. Donc, les amis, écoutez, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était vachement cool. On a fait une bonne mission bien difficile. Tu me donnes ça, merci. On a fait une mission assez difficile quand même, je vous le cache pas. Bah écoutez, je suis très content que tout ça soit bien passé. On a passé un rang, on a fait une bonne mission. Et le prochain épisode, on part en expédition. Et j'espère réussir à trouver Régigigas et tout le monde, parce que ça m'intéresse vraiment cette histoire de pouvoir trouver des légendaires. Là, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, ça me soutient énormément. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des tocs qui sont présents. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt. Bye bye.